C'est ce matin que 6 des jeunes Ukrainiens du tournoi de hockey Pee-wee ont fait leur entrée à l'école St. Patrick High School de Québec. Un début des classes tardif, puisque le processus d'admission s'est avéré plus long que prévu. Marie-Pierre Roy. Ces jeunes réfugiés ukrainiens ont fait leur entrée sur les bancs d'école ce matin. C'est Sean Bérubé qui est derrière le projet, lui qui a aussi organisé leur venue en février dernier. Une fois que la guerre est finie, ils vont retourner là, en Ukraine. Donc, c'est sûr que leurs parents l'ont demandé, c'était possible d'étudier en anglais. Saint-Pat's ont un très bon programme de hockey. Un début des classes tardif en raison de la complexité de leur dossier d'immigration. C'est pas simple, ces enregistrements-là, puis les accueillir. Je pense que ça nous a donné le temps de bien préparer leur intégration. Ce qui est important, c'est qu'il reste encore toute une année scolaire devant nous. C'est sûr qu'avec le temps que ça prenait, je commençais à m'inquiéter. Dans le fond, tout le monde travaillait ensemble là, pour que ça se règle le plus vite possible. Après le tournoi de hockey Pee-wee, le rêve au Québec se poursuit. Really happy that we are starting school and we meet a lot of people how we wanted. Here is it's a big difference between schools in Ukraine and here. Le hockey les aide à rester là, sains dans tout ce qui se passe parce que dans le groupe qu'on a ici, là, on en a 5 que leurs pères sont dans l'armée. Cette nouvelle étape est une fierté pour ce père de famille d'accueil. Et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rentrés dans une école. Puis là, tu sais, les voir là, avec les amis, puis c'est magnifique de voir tout ça. Là. Leur intégration est une occasion de célébrer la diversité selon la direction de l'école. L'ensemble des élèves aussi vont avoir l'occasion de partager des moments avec eux. On a l'intention de les intégrer complètement dans les classes. L'accueil dans l'équipe de hockey s'est déroulé à merveille selon le directeur du programme. Déjà là, ils s'apprécient beaucoup. On a vu qu'ils commençaient à s'ajouter sur les réseaux sociaux et tout, là, et avoir une belle complicité ensemble. Les jeunes joueront au hockey pour la première fois avec leur nouvelle équipe samedi après-midi au PEPS de l'Université Laval dans le cadre du premier match de la saison. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Québec.